Bien, bonjour à tous. Allez, asseyez-vous. Vous sortez tout de suite, comme l'a fait Eva, votre cahier de lecteur, votre texte et votre fiche découverte. Question de lecture, d'accord. Un temps de réflexion en groupe. Qu'est-ce que je pourrais dire à partir de cette question de lecture sur le texte? Vous vous aidez bien entendu de la fiche découverte et de vos réponses. Chaque brouillon doit vous permettre d'enrichir le prochain. D'accord, Sonny? Oui. Et ensuite, je demanderai à un ou deux groupes de nous proposer le résultat de son travail, de ses recherches. On fera une trace écrite et la leçon de lecture pour finir tout ça. D'accord? C'est bon? Myriam, c'est tout bon? C'est votre texte. Ensuite, vos réponses à la fiche découverte, si c'est pour votre cahier de lecteur. La fiche découverte. Avec le texte et le début de votre travail de groupe de la séance dernière. Alors, on continue notre étude analytique de J'ai pas rêvé de toi. On va faire quelques petits rappels. Je relis le texte. Vous poursuivez le travail en groupe. On a peu de temps pour le poursuivre, mais ça devrait être suffisant. Ensuite, un ou deux groupes fera une proposition à l'ensemble de la classe. D'accord. Et nous établirons une trace écrite. Alors, tout le monde y est. Donc, la séance dernière, je vous rappelle que vous avez commencé en groupe à travailler sur la question de lecture qu'on avait établie ensemble. Après cela, donc, qui est-ce qui peut me relire la question de lecture? Vous regardez, vous remettez là-dedans. Maëva, on t'écoute. Quelle interprétation pour ce poème, pour ce titre même? Bien, merci. Donc, quelle interprétation pour ce poème? Complète. Viens ici, que je t'en papouette, et que je t'en rime, et que je t'en rythme, et que je t'en lire, et que je t'en pégase, et que je t'en verse, et que je t'en prose. La vache, il a foutu le camp. On était où là avant que je vous interroge? Je vous laisse une dizaine de minutes pour échanger sur vos réponses à la fiche découverte. Voir que vous avez ce que chacun de vous a trouvé. S'il y a des questions qui vous ont posé problème ou alors des questions qui vous semblent plus intéressantes par rapport à ce texte-ci, passez-y plus de temps. Le temps est voilà, le temps est délimité et vous pouvez consacrer plus de temps à une question plutôt qu'à une autre. Alors, là, vous pouvez me le dire comme ça, vous n'êtes pas obligé de relire. Vous êtes triste, vous êtes content pour eux, vous êtes... C'est triste, mais c'est joyeux. C'est triste. Pourquoi c'est joyeux? Parce qu'ils s'aiment, mais voilà, c'est triste quoi. Parce qu'ils se disputent. Ouais. D'accord. Et vous les comprenez? Vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils se disputent? Bah oui, bah oui, c'est parce qu'en même temps, d'un côté l'honneur et de l'autre côté l'amour, donc c'est pas facile. Et d'accord. Et vous seriez plus, si vous deviez être... Pour l'amour. Ah, pour l'amour. Ouais. Vous auriez choisi l'amour. Comment j'ai fait? D'accord, très bien. Bon. Il y a dans cette pièce de théâtre, il y a des rimes. Voilà, il y a des rimes. D'accord. Il y a des rimes. D'accord, donc il y a des rimes, il faudra vous regarder un peu plus. Et alors, donc, c'est une pièce de théâtre avec des rimes. De quel siècle date je cible? Vous ne l'avez pas dit dans le cours. Un peu avant. 17e siècle. Oui, voilà, du 17e siècle. Donc, qu'est-ce que vous pouvez en conclure du coup? C'est une pièce de. Elles étaient poétiques. Elles ont des rimes. Tout à fait. Elles comportent des rimes. Sauf ils veulent pas. Pour son poème. Et du coup, il voulait que ce soit le poème parfait, donc il voulait mettre en rime, en prose, etc. Il a Et puis avant d'avoir pu mettre quoi que ce soit, l'idée s'était envolée. Puis c'est là où ils ont trouvé l'expression la vache, il a foutu le camp. Oui, quand
Voilà, il est costaud, tu vois. Et ben, oui, et puis c'est là qu'il a eu l'idée de faire comme son idée, de dire qu'il y avait un petit poème, qu'il allait l'amadouer, allez, viens ici, petit, puis ensuite, oh ben non, il est parti. Puis quand tu cherches petit, c'est comme quand on dit, quand tu dis un oiseau, On aurait dit que l'auteur, le poème, il avait fait comme un animal, en essayant de l'amadouer, puis bien là. Exactement. Mais après, là, c'est le côté positif, c'est poétique. Oui. C'est bien ici que je t'enfile sur le fil de Colin. Oui. Jusqu'à que je tente prose. Mais après, ce qui était bien, c'est que c'était un poème qui était dynamique parce que les phrases, poète, poétique, tu vois, un art poétique. C'est quoi pour un art poétique, tu vois? Moi, c'est pour un art poétique, c'est-à-dire il a fait tout ça pour pouvoir faire le poème. Mais en fin de compte, voilà, pour un art poétique, pour faire son art. En fait, il n'a pas trop fini le poème. Quels sont les thèmes qui sont... Ah oui, moi j'ai dit ça. Les thèmes les plus importants pour moi, c'est que c'est les personnages de l'éthique et de l'humaine sauvée. Voilà pour l'auteur. Et il vous faisait penser... maintenant, on lit toutes les petites idées ensemble et puis on écrit le « en », espace et rime. Okay. Et c'est pareil pour les autres. Donc ces mots, ils n'existent pas. Donc tu vois, et puis c'est du langage assez soutenu, c'est ça qui provoque aussi le rire. Si c'était du langage soutenu, non. Ce qui provoque le rire, c'est familial. Ce qui provoque le rire, c'est ça là. La vache, il a foutu. Moi aussi, bon vieux. Tu vois, les choses de langage familier, tu vois, ça provoque du rire. Parce que si c'était soutenu, ça provoquerait moins de rire. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire, mais dans 2-3. Quels sont les thèmes qui me semblent les plus importants dans ce texte? Qu'est-ce qui me trouve dans le texte? Moi j'ai mis l'amour, la tristesse, l'honneur. Ah, mais il y avait autre chose qui était pas trop mal. Je sais plus. Attends, je cherche. Voilà. Il y a pour les thèmes, il y a du coup. Qui a fini les questions de la fiche découverte et qui commence déjà à réfléchir aux pistes d'interprétation. Donc avant cela, on va travailler ensemble sur la question de lecture. Sur cette question, vous puissiez réinvestir tout ce que vous avez trouvé avec les réponses à la fiche découverte. D'accord. Pensez aussi. D'accord. Ici, lorsque vous me dites comment interpréter cette dis... D'accord, donc comment interpréter cette dispute entre Chimène et Rodrigue? Qu'est-ce qu'il faudra que vous montriez? Quel est ce qui paraît étrange dans cette question même? Que Rodrigue a tué son père. Alors ça sera des éléments, mais dans la question, oui. Qu'ils s'aiment, mais ils veulent... Donc vous notez tous question de lecture. C'est la nouvelle étape. Allez, question de lecture. Question de lecture. Alors, notre but ici, c'est de parler de quoi? Quel est le texte que l'on a face à nous? Eva? Un poème. C'est un poème. D'accord. Donc, notre but, c'est d'essayer de le lire, mais aussi de... De l'analyser, très bien, de le comprendre, trouvez-moi un autre mot pour comprendre. Interpréter. De l'interpréter, très bien. Alors, comment interpréter ce poème? Il vous semble, qu'est-ce qui déclenche en vous? Si vous deviez trouver un adjectif pour parler de ce poème, comment interpréter? Oui, Nathanaël? Comment interpréter cet étonnant poème? Comment interpréter, pourquoi pas, cet étonnant poème? Donc, pourquoi étonnant? Il est comique et puis il n'y a pas forcément de ponctuation dans le texte. Donc, il est comique, la manière dont il est écrit, très bien, peut nous surprendre aussi. Étienne? C'est pas du langage familial. Très bien, alors...
familier. Très bien. Donc, il y a du langage familier. Est-ce qu'on a l'habitude de retrouver dans les poèmes qu'on a lus? Non. D'accord. Oui, c'est là. Ils sont poussés à soutenir. Oui, ils sont, d'habitude, ils sont plus soutenus. Et puis, j'en ai vu pas mal qui prenaient un dictionnaire. Pourquoi est-ce que vous prenez un dictionnaire? Pour déjà savoir s'ils existent, les mots qui suivent votre texte. Et parce que peut-être certains mots sont pour vous inexistants et donc inventés. Bon, alors là, vous avez déjà beaucoup d'idées pour nourrir cette question de lecture. Hein. On va reprendre celle de Nathanaël. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Comment interpréter cette question d'un poème? Oui. Oui. Eh bien, allez, on part là-dessus. Donc, tout le monde note la question pour sûr. Comment, pour ce titre même, on avait une question de lecture qui était très vaste parce qu'on a déjà travaillé depuis un an. Je vous laisse, on va dire, 35 minutes. D'accord. Donc à partir de cette question, vous construisiez deux pistes, d'accord, deux axes de lecture, deux problématiques, deux sous-problématiques. D'accord. Ouais, mais attends, on va jamais être... Oui, c'est ça. Attends, le jeu... Non, là on continue. Le jeu... Oui, mais on va mettre ça me demande aussi dans une autre partie. Ouais. Et le personnage, on cite un verre, non? Représente la femme décrite dans ce poème. Un poème d'amour pas trop. Donc le mec, il l'a perdu. Je sais pas trop si c'est de l'amour. Parce que c'est lui, c'est un fantôme. Donc c'est pas elle plutôt. Mais ta vie. Genre il y avait deux fois, j'en ai pas le. Oui, marqué ta vie. On peut citer le texte et citer le passage. C'est le fantôme. Qui ne me reste plus qu'être. Plus peut-être. Ça. Ça va mieux. Vas-y, on va voir que c'est un poème d'amour qui a des strophes. C'est déjà un poème. Comme dans le texte. Non, dans ce poème. Un petit 1. En posant une question. Bah, logiquement. Bah, déjà, de qui a écrit ce texte? C'est déjà pas mal. Mais bah, pourquoi il a écrit? Pourquoi? Et nous, car nous pouvons remarquer que je vais répondre à cette question. Non, je pose. Calme. Pour les questions, lorsque vous êtes en manque de questions, Axel, lorsque vous êtes en manque de questions, pensez à la fiche des stratégies, la fiche avec toutes les stratégies de lecture, toutes les questions à se poser. Sortez-la. Et comme ça, vous aurez déjà beaucoup plus de matière, d'accord? Certains me disent, vous, je ne sais plus quelle question me poser par rapport au texte. Prenez-la, c'est une aide essentielle maintenant et lorsque vous serez chez vous aussi quand vous ferez votre texte de lecteur. Elle est utile dans toutes les étapes de la lecture, d'accord? Allez, Et pourquoi vous ne prenez pas un dictionnaire? Parce que dans le lexique, tu es d'accord. Déjà, vous trouvez le lexique. Je sais pas.
Je suis en D. Hein. Ça y est même pas. Ah, alors est-ce que, où est-ce que vous allez aller? Un dictionnaire. Voilà, très bien. On peut regarder l'impératif tant qu'on y est. Au lycée, quand même, on avait déjà regardé dans quoi, le théâtre. Le 182. Ouais. Et alors là, qu'est-ce que vous pensez trouver? Bah, on va directement dans le chapitre. Ouais. Faut avoir foi. Bah, toujours la description. Tu veux que je l'écoute et tu me fais mourir. En même temps, vous allez l'avoir tout. Moi j'avais vu sur internet. Et par contre, je vais lire juste, je ne l'ai pas noté. Vous l'avez trouvé? Encore. Les gens, ils savent pas chercher dans un dictionnaire. Là. Les gens? Je vais la chercher, vous voulez bien? Là, c'est encore là. Là, il n'y a plus. Pas forcément des synonymes, non, mais la même fin en rime. En rythme, tu vois. C'est juste comme ça. Et du coup, ça fait que des fois, ça fait. C'est-à-dire. Ça veut dire que tu. Je sais pas, mais la fable de Jean de la Fontaine, par exemple, et bah, elles sont longues. Et souvent, bah, c'est un peu long à lire quand même. Ouais. Par exemple, le Havron. Inexistant. Ça fait une répétition. Pour dire simplement dans ce poème. Pardon. Bah, tu mets dans ce poème d'amour, l'amour. J'ai mis dans ce poème l'amour. Pardon. Ah. Cool. Je vais y arriver. Bon, ce texte. Qui me dit mes rêves au pluriel. Mes rêves. Mais les rêves de la femme. Bah oui. Parce que l'histoire de l'auteur, il dit peut-être 100 fois dans le texte. Bah oui, bah oui. Le jeu. Rêve toujours d'elle. Attends, t'as mis quoi alors? Ici, une photo. Ça va t'enlever des points. Madame, pareil, il reste que la dernière partie. On prend le français. On a mis un 1 qui est composé de verbes, tu trouves? Oui. Allez, là, c'est ce qu'on a mis. Allez, on va voir. Tu prends la feuille ou quoi? Bah, par le. Bah, en fait, on sait pas si c'est le narrateur qui fait. Alors, est-ce qu'on parle d'un narrateur dans un poème? Non. D'un. Non, mais. Sujet lyrique. D'accord, très bien. Ok. On sait pas si c'est le. L'auteur qui se oui. Présente dans alors, cette... Alors, vous rappelez à obséder, ça vient du latin, considérer, dire, assaillir, on y pense tout le temps. Comment est-ce que vous voyez là-dedans que votre sujet lyrique pense tout le temps à cette... Bah, il fait « J'ai tant rêvé de toi plusieurs alors, fois ». Plusieurs fois, comment on appelle ça déjà? C'est une répétition. Oui, parce qu'on avait vu que c'était même... c'est une figure de style, il me semble. Comment est-ce qu'elle s'appelle, cette figure de style? Non, mais pas du tout. Donc vous regarderez en effet dans le cours. Peut-être que vous le trouverez dans le cours. D'accord. Vous allez faire des liens apparemment? Oui, c'est un amour impossible comme Roméo et Juliette parce que c'est un fantôme. Et... Donc là, vous reprenez le titre de la séquence de début d'année. D'accord, oui. C'est très bien. Et on va aussi faire d'autres liens avec d'autres tests, par exemple, Berlin City. Très bien. Bah, expliquez bien pourquoi est-ce que vous mettez en lien, parce qu'en effet, on peut peut-être aussi voir un amour impossible. Vous me disiez pourquoi, hein, et pourquoi est-ce que vous mettez ces textes en lien. Mmh. Ok, c'est très bien, continuez. Tellement d'elle qui pourrait faire quelque chose, aller jusqu'à la mort pour elle. Ça fait penser ça vous fait pas penser à quelque chose, ça, aller jusqu'à la mort? Roméo et Juliette. Oui, et puis le texte qu'on a vu juste avant. Non, juste avant celui-ci.
Ah bah le lac. Alors il y avait le lac, mais... Le truc de Jacques Brel. Oui, le truc de Jacques Brel, la ne chanson. Ne m'écoutez pas. Voilà, regardez-le, ah. Peut-être que vous aurez un lien à faire avec... Faites des liens avec ça. Okay. Bon, bon. Là, vous faites vos idées, et pour cela, il faut prouver ce que vous dites, grâce au texte. Aidez-vous de votre cours, aidez-vous des autres textes, et aidez-vous aussi de votre fiche découverte. J'arrive dans chacun des cours. C'est parti. Et comment est-ce que vous le voyez, ça? Bah, à la fin, elle dit à chaque fois que trop de Guy parle, en fait. C'est avec les... Au départ, elle est énervée, puis à la fin, elle fait « va, je ne avec les mots doux. Alors, les mots doux, à la fin, oui? À la fin, elle dit « va, je ne te les points. » D'accord. Et alors, ça veut dire quoi, ça? Bah, qu'elle dit, elle le laisse partir, mais elle aime toujours. On n'avait pas vu cette phrase, déjà, une fois, dans une autre séance. « Va, je ne te les points. » Comment est-ce qu'on appelle ça? Une litote, très bien. Dans un autre... Vous allez en parler après? D'accord, très bien, on va continuer comme ça. Le but est qu'après... Non, le but dans cette partie-là, c'est que vous trouviez des idées, d'accord, et que ça vous permette ensuite, lorsque vous ferez votre texte de lecteur, de vous rappeler ces idées. Et puis de les enrichir. Mais surtout, il faut que vous compreniez bien chacun ce que vous dites, parce que si vous proposez à l'ensemble de la classe après d'exposer pardon vos idées, il faudra que vous les compreniez, que vous puissiez argumenter dessus. Donc vous pouvez. Là, vous êtes dans une phase de brouillon encore. Vous n'êtes pas obligé de faire de grandes phrases avec en réfléchissant vraiment à la structure de vos phrases. L'intérêt, c'est l'idée. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'accord, l'idée et puis la justification. Prouvez ce que vous dites. D'accord? De pistes, de zones d'indétermination. Hein, on ne sait pas grand-chose. Il y a beaucoup de zones d'ombre, vous l'avez dit dans certains de vos titres. Donc, faites attention à ça. Ce que vous dites, ça peut être tout à fait intéressant, mais prouvez-le. D'accord? On peut tous beaucoup échanger. J'entends beaucoup de choses très intéressantes dans chacun des groupes. C'est très bien, mais il va falloir que maintenant on essaye de mettre en lien, en relation toutes vos idées. Pensez aussi, et j'entendais Eva qui le faisait, qui commençait déjà à le faire, en lien vos idées, mais aussi ces idées, mettez-les en lien avec les autres textes que l'on a vus dans la séquence. D'ailleurs, rappelez-moi le titre de la séquence pour qu'on ne perde pas le fil de notre problématique. Alors, oui, Lucie ? Réunion de tout, réunion partout. Réunion de tout, réunion partout. Pourquoi est-ce qu'on s'est posé cette question ? Ok, allez, c'est parti. Tout le monde n'a pas fini, mais le temps est compté, donc il faut qu'on structure notre séance. Je vais demander tout d'abord au groupe de Maëva de présenter leur travail. Et puis ensuite, je demanderai au groupe de Louis. D'accord ? Les autres, vous écoutez, vous prenez des notes, parce qu'en effet, toutes les lectures sont intéressantes, toutes les interprétations sont intéressantes. D'accord ? Ça enrichira votre propre lecture. Et n'oubliez pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou des éléments que vous voyez intéressants à développer, vous posez des questions par la suite. Ok ? Bien. Juste parle un tout petit peu plus fort. Il y en a qui prennent des notes. Maëva, essaie de bien te faire entendre de tes camarades en parlant peut-être aussi un petit peu moins vite. D'accord ? Vas-y, excuse-moi. B. Une vie passée. Est-ce que la vie de ce sujet lyrique a déjà été vécue ? Strophe 2, je cite, « Des jours et des années ». Il parle des jours, d'années, il y a la notion du temps, mais dans le passé. Ce texte est très subtil. Le sujet lyrique sème le doute dans nos pensées. Il y a le temps du passé, du présent et du futur. Alors quand tout cela s'est passé ? C. Réalité ou fantasme ? Ce texte est très subtil. Est-il réel ou est-ce un fantasme ? Il y a le lexique du rêve, je cite, « Rêve, fantôme, je dors debout ». On ne sait pas si l'écrivain... Si l'écrivain fantasme sur ce fameux toit. Par rapport au texte, ne me quitte pas de Jacques Brel précédemment étudié, on sait que cette femme existe, alors que dans J'ai tant rêvé de toi, tout est fictif. Aussi, dans l'histoire de Roméo et Juliette, l'amour est partagé, alors qu'ici, l'amour est à sens unique, on ne sait pas où est l'autre personne. Ce jeu est obsédé par ce toit. 3. Une vie antérieure. A. Un zoom sur la mort. Dans ce texte, il y a des liens avec la mort comme fantôme. L'auteur avait une idée de poème, mais qu'il a perdu tout d'un coup. Et il a voulu mettre, comme s'il avait voulu mettre sur le fil du collier de ses œuvres. Mais l'idée s'est échappée.
Les auteurs ont souvent pu avoir un trou de... les mots, ils sont inventés. Et bah, parce qu'il y a le langage familier. Et au début, quand j'ai lu le poème, et bah, je comprenais pas les mots. Je trouve que ce poème, il est comique parce que c'est des mots faciles. On a compris le jeu. Le jeu ? Plus il est réel, quoi. Enfin, la personne... Enfin, le jeu, il est réel. Oui, pour moi, le jeu, il est réel. C'est celui-là qui décrit une personne, mais après, on ne sait pas qui est cette personne. Donc oui, pour moi, le jeu, il est réel. Les autres, vous pouvez participer, Louis ? Est-ce que tu penses que le jeu est le narrateur ? Oui, pas. Ah, oui. Est-ce qu'il a bien formulé sa question ? Le jeu, est-ce qu'il est l'écrivain ? Est-ce qu'il se met dans le personnage ? Du sujet lyrique ? Ou à la place du jeu ? Ah, bah oui, je pense que ça peut être comme une forme de déclaration envers cette personne. Alors on va y revenir parce que je sens que tu touches quelque chose d'assez complexe que vous avez bien décrit dans votre groupe. Mais simplement, si ce jeu dont il est question dans le texte était l'auteur, donc le poète qui s'appelle d'ailleurs, rappelez-le-moi, Robert Desnoyers, si c'était véritablement lui qui s'exprimait dans ce poème, comment est-ce qu'on appelle ce type de texte ? Une autre, voilà, texte autobiographique, très bien. Vous n'avez pas dit vos avis dans ce que vous pensez ? Je vais donner ça. Je dirais que l'auteur, quand il écrit ce texte, il est triste. Et quand par exemple on le lit, sa tristesse est dans le verre. Ça veut dire que c'est. Ça vous touche. Vous ressentez quoi du coup ? Comment est-ce qu'on appelle quand un poème ou un texte nous touche ou quand un sentiment nous touche ? On se lit dans le texte. Oui, il est émouvant et on ressent de là. Compassion. Très bien, de la compassion. D'accord. C'était une bonne remarque, Léon. Je te remercie. En effet, il ne l'avait peut-être pas assez souligné. Pensez à bien le dire quand vous retravaillerez ça de manière individuelle. Dites ce que ce texte produit en vous. On a chacun une vie, des émotions, et un texte produit des sentiments, des réactions, des jugements. Okay. Hein bah, je... Bah, lui, tu dis pourquoi il y a un personnage qui est mort, mais... Je penserais pas que ça pourrait être un rêve aussi. Oui, ça peut être aussi un rêve. Mais en fait, ce texte, ce poème, il est vague. Parce qu'on sait pas qui est mort ou qui est encore vivant. Ou on sait très vaguement. Même les personnages, on sait pas si c'est des femmes ou des hommes. Car dans le texte, on sait juste une fois où il dit c'est la seule. C'est juste, on sait pas si c'est par exemple si. Voilà. Ouais. Ah, Romain. Au dernier moment, vous avez parlé du passé composé, présent, oui. Futur, des temps. Mais vous n'avez pas dit pour vous ce que ça signifiait tous ces temps. C'est donc ça, vous comprenez pas, votre groupe et Chanel-là, vous comparez texte à Romain et Juliette, alors que je trouve qu'il n'y a aucun rapport. On a l'impression que quelqu'un qui est mort, dans ce texte, on va savoir plus. Mais. Enfin, je trouve pas qu'il décrit pas la mort. Je sais pas comment le dire, mais il y a aucun rapport avec Roméo et Juliette. Bah, c'est. Enfin, il y a un rapport par rapport à la mort. Parce que dans ce poème, c'est un fantôme contre un vivant. Enfin, qui veut plus être avec un vivant, alors qu'à la fin de Roméo et Juliette, il y en a un qui meurt et du coup l'autre se suicide. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est un fantôme ? Là, parce que, Ce poème est en... Oui. L'inspiration, d'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vient immédiatement, qui est facile, du coup, l'inspiration poétique ? Non. Donc, quel est l'attribut de l'auteur ici ? Je vais faire comprendre quoi, Fiona ? Que c'est pas très facile d'écrire un poème. Qu'il n'est pas très facile d'écrire un poème. Et la manière dont il le dit, alors, c'est comique. Avec vos mots, sans forcément chercher. Quel était le but de l'auteur, finalement ? Est-ce que c'était simplement nous faire lire ? De nous assurer de nous plaire. Est-ce que c'est la première fois qu'on se rend compte de cela ? Non. Oui. Non. Non, ou est-ce qu'on l'a vu déjà ? Une femme. D'accord. Donc on se rend compte qu'il y a beaucoup de types de textes où on nous instruit
ou l'auteur veut nous instruire, parce que ça concerne ce que vous avez dit, mais ça concerne aussi tout le monde. J'ai entendu, alors je ne sais plus, c'était au tout début, normaux, on est d'accord. Chut, Romane, s'il te plaît, ça concerne tout le monde. Alors, j'autre, là-dessus, parce que ça vous permettra de réinvestir tout ça. Vous nous avez dit que le texte est au conditionnel. Est-ce que tout le texte est au conditionnel? Non. Non, d'accord. Donc là, peut-être préciser aussi les verbes que vous avez soulignés comme étant au conditionnel. Ensuite, vous nous dites tout est fictif. Est-ce que on peut être aussi catégorique? Est-ce que dans ce texte, on peut dire que tout est fictif? Est-ce que c'est la seule solution? Alors, on peut dire que la femme est réelle. On peut dire aussi... Donc en fait, est-ce qu'on peut véritablement donner une réponse à nos interrogations? Non, c'est parce que... Non. Donc là, on est en plein dans l'interprétation, c'est-à-dire on a des suppositions, et puis ce sera à vous de justifier, mais sans forcément dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Par contre, vous pouvez le prouver de manière très, très pertinente. J'ai beaucoup aimé que, moi je l'ai noté, si vous dites un amour impossible à cause de la mort, hein, de la présence de la mort, quel est le titre? C'est Je t'en rêvais de toi. J'ai t'en rêvais de toi, donc on serait plutôt dans quoi ici? Bah, l'imaginaire. Un rêve, et on a vu qu'avec la présence du corps, vous avez noté plusieurs, un rêve avec ce désir, comment est-ce qu'on appelle ça? Donc on serait dans du fantasme, d'accord, dans un fantasme. Pourquoi est-ce que vous reliez ça avec la mort? Qu'est-ce qu'il y a dans le texte qui vous permet de vous faire penser à ça? Bah, alors, certes, vos lectures précédentes ont pu vous aider, mais encore. Alors, moi, je pense qu'on peut le relier au fait que même si un jour il meurt, il voudrait continuer à être avec lui. D'accord. Donc, une projection. Alors, si un jour il meurt, le fait, vous avez vu, ils ont fait des liens avec d'autres textes, c'est très bien. Le fait aussi de donner son avis, très bien. Pensez tout le temps à dire ce que vous ressentez par rapport à un texte. Ne l'oubliez pas. Vous avez fait de très bonnes analyses, mais aussi dites ce que vous ressentez. Autre point, t'es expert, vous avez déjà étudié des textes de Baudelaire les années auparavant? Moi oui, mais oui. Il y a longtemps. Parce que tu nous as cité du Baudelaire sans t'en rendre compte. Là. T'as entendu? Alors, Eva? De quoi? Alors, il y a peut-être cette référence qui t'avait pensé à un poème, mais en effet, juste avant, elle a parlé de la vie antérieure. Tu nous as parlé, voilà, est-ce qu'il y a eu une vie antérieure? Ah, ça, j'ai vu dans le livre. Et c'est un poème de Charles Baudelaire. Donc ça, c'est intéressant, tu as fait des références entre textes poétiques. Donc, notez-le bien, allez lire le poème, et peut-être que vous arriverez à faire des liens, si vous arrivez à poursuivre votre hypothèse. Très bien. Alors, vous avez pris des notes, c'est très bien. On poursuit avec le second groupe. Sur plusieurs choix. C'est très intéressant, mais avant de dire ce texte, si c'est votre trace écrite finale, il faut déjà dire quel est le type de texte. Alors, d'accord, donc dites-moi. Première phrase, ce texte. Est un poème écrit. De qui? Écrit par Robert Desnos. D'accord, donc ce poème. Littéraire. Donc ce texte. Et je vous écoute. C'est par rapport à tout ce que vous avez pu dire. Et quoi? Est un poème. Est un poème. Alors là, par rapport à... Il est comment ce poème? Quelle était la question de lecture? C'est quoi? Oui, mais qui nous? C'est un poème étonnant. Alors. Étonnant. Et alors maintenant, il va falloir dire... Pourquoi? Car. Alors, car, qu'est-ce que vous avez à me dire? Oui? Donc, le langage. Il est tout le temps familier, le langage? Non, alors quel est le terme que je vais mettre? Et? Hop! Donc, car le langage est parfois familier, il, entre parenthèses, comme ça. Alors, on appelle ça comment, Jeanne? Néologisme. Néologisme, d'accord. Bon, vous n'êtes pas obligé de le retenir, mais au moins ça nous aura occupé. Néologisme. D'accord.
Et alors, donc tout ceci, ça crée quoi? Oui. Du comique. D'accord. Des mots. Tout cela crée du comique de mots en particulier. D'accord. Hop. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur l'acte de lire, Clara? Qu'est-ce qu'on a appris sur l'acte de lire? S'il vous plaît, Nathanaël. Alors, l'auteur ici voulait nous instruire et nous plaire. Est-ce que vous trouvez que ça peut être une bonne, est-ce que ça peut être une bonne leçon de lecture? Oui. Oui, hein? Un texte, hein? Un auteur, lorsqu'il écrit, pourquoi est-ce qu'il veut nous plaire? Comment est-ce qu'il a voulu nous plaire ici? En faisant quoi? En faisant du comique. En faisant du comique. Et puis, il a voulu nous instruire sur quoi? Sur le langage familier. Alors, sur le langage, et puis? Il n'y a pas que dans le livret de théâtre, il y a que du comique. Oui, d'accord, très bien. Et puis, de quoi parle-t-il aussi? Qu'il est difficile de trouver la ponctuation. De la ponctuation? L'inspiration. L'inspiration, d'accord, bien. C'est bon, tout le monde a bien compris cette proposition de Clara? Oui. Alors, vous notez à la suite. Me plaire et instruire qui? C'est qui? Nous sommes quoi? Les lecteurs. D'accord. Donc, un auteur. Alors, cette leçon de lecture, vous pourrez ensuite y réfléchir de nouveau lorsqu'on étudiera d'autres textes.